Donc, ne sois pas paresseux. Travaille toi-même. Visite les membres. Enseigne tes enfants. Parmi tes enfants, forme-les, ils vont devenir pasteurs. Ils vont t'aider. Ce sont tes enfants. Moi, tous ceux qui sont la mi-ave, tous ceux, c'est moi qui les ai formés. Yeah. À tous. Oui. Il y en a qui étaient chrétiens ailleurs, mais c'est chez moi ici, ils ont été formés pour être pasteurs. That's it. Il n'y a pas de problème avec eux. Et tous me reconnaissent comme leur papa. Comme les papas. Yeah. Sinon, si tu ne fais pas ça là, quand l'église va grandir, il va faire sortir, vous dites, d'ailleurs même, lui, il était formé avant de venir. Et il y en a qui ont le dit, qui ont croit, oh, c'est vrai. Et ils vont croire. Et c'est fini. Tu as foutu comme ça. Somewhere. Amen. Les chrétiens, ils sont ignorants. Donc, il faut les enseigner sur les techniques du diable. Comment le diable fait pour prendre leur cœur? Il faut les enseigner dessus. Et surtout, suivez, quand tu vois qu'un de tes enfants est loyal, voici quelqu'un qu'il faut enseigner. Tu le protèges par l'enseignement de la déloyauté. Pour ne pas que demain, parce que tous ceux qui sont loyaux seront attaqués. Tous ceux qui sont loyaux, Satan va essayer de les détourner de toi. Je te dis la vérité. La vérité, c'est quoi? Remarquez, la plupart des gens qui deviennent déloyaux là, c'est des gens qui étaient loyaux. Un juif. Et toi, tu t'es dit, non, lui, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas besoin d'enseignement. Qui n'a pas besoin d'enseignement? Il a besoin d'enseignement. Il a besoin d'enseignement. Il a besoin d'enseignement. C'est lui-même qui a besoin d'enseignement. C'est lui-même qui a besoin d'enseignement. Oh yes. Regarde. Enseigne-le à tous. À tous. Enseigne quoi? À tous. Ils ont besoin d'enseignement. On dit à quelqu'un, ils ont besoin d'enseignement. On doit les enseigner à tous. Oh yes. You are joking. Non, il m'a donné 1 million. Donc elle ne peut pas faire ça. Moi, une fois que tu commences à être une bénédiction dans l'église, en même temps, je me mets à enseigner. Il a besoin d'enseignement. Pourquoi? Parce que tu es le prochain sur la liste de Satan. Satan ne veut pas qu'on m'aide. Donc, tous ceux qui se lèvent pour m'aider, Satan va les détourner. Je sais ça. Donc, quand tu commences à m'aider trop, il a besoin d'enseignement. Il a besoin d'enseignement. Oh yes! Ton enfant qui est là, il envoie lui seul, il vient 20 membres, 30 membres. Il a besoin d'enseignement. Il a besoin d'enseignement. Regardez, c'est vous qui êtes là, vous tombez. Ils ont besoin d'enseignement. En fait, tu vas les enseigner pour qu'ils s'asseyent bien, pour qu'ils s'enracinent bien, pour qu'ils t'aiment bien, pour qu'ils soient loyaux bien, pour qu'ils n'écoutent pas les bas de dehors là. Si tu ne fais pas ça, la personne que Dieu t'a envoyée pour t'aider là, c'est elle qui devait chouer après. Parce que tu ne l'as pas enseigné. À partir d'aujourd'hui, il faut remarquer tous ceux qui t'aident dans le ministère. Il a besoin d'enseignement. Va dire à toi, personne, il a besoin d'enseignement. Ça va aller fort.
Amen. Si vous êtes là, vous pensez, il y a même mes pasteurs qui sont loin là. Vous leur demandez. Tu sais comment ils les enseignent? Je les appelle sur WhatsApp. Et puis ils disent, connectez-vous. Je parle ici. Et ils entendent chacun là-bas. Ils ont besoin d'un seul. Parce qu'ils sont, ils sont là-bas là. Satan est jaloux. Et il y a les pasteurs même qui sont jaloux. Un temps, il y a quelqu'un qui a failli détourner mon fils qui est là. À Bondoukou. Il voulait le détourner. Un vieux père dans le ministère. Il ne pouvait pas comprendre comment un enfant qu'on vient se sacrifier pour un jeune homme comme moi. Mais ce qu'il oublie, c'est l'enseignement qu'il lui a donné. Il se sacrifie pour Dieu. Le gars voulait le détourner. Et mon fils a vu que lui là, c'est pas un bon gars. Et lui a envoyé un message. Papa, il a appelé papa par respect. Je ne veux plus jamais que tu me contactes encore. Et puis il m'a envoyé la copie du message. Et puis il dit, papa, quelqu'un tentait de me tenter deux jours là. Comme je l'ai enseigné, ça l'a protégé. Wow. Toi, tu fais cellule. Et tes membres de cellule là, tu ne les encadres pas. Les gens qui ont commencé à t'aider dans l'église, tu les laisses partir comme ça. Ils ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'enseignement. Et puis pas n'importe quel enseignement. Loyauté de loyauté. Allez bien soir, allez bien soir. Allez-y, asseoir. Quand tu vois l'église là, il y a plein de trucs en bas oh, qui soutiennent l'église. Oh. Dites-moi, vous êtes sûr que plein ne sont pas jaloux? Plein sont jaloux. Quand Dieu a commencé, ça fait 6 ans. Et j'ai 32 églises qui travaillent chaque dimanche. Et bientôt, on passe à 100. Ils se posent la question, mais l'enfant, il fait comment? Ils sont jaloux. Je sais ça. Deux doigts. Et souvent, certains viennent dans mon église quand ils demandent. Ils sont jaloux. Ils disent, mais le petit là. Ils ont envie de vous donner ce proverbe là. Ils apprêtent les proverbes. Quand le crocodile dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut croire. Mais quand tu enseignes tes enfants, et puis ils viennent lui dire, quand le crocodile dit qu'il fait chaud dans l'eau, l'enfant a dit, l'enfant a dit, ah, il faut arrêter pour toi là. Crocodile, pas crocodile, quitte devant moi. Ma fille qui est là, là, ils ont failli la détourner aussi. Ils lui ont dit tout chaud de moi. Elle dit, papa, c'est mon papa. Oh, je suis loyal. Point barre. Quitte devant moi. Je suis loyal. Tu vois, non? Donc, ils sont jaloux. Donc, c'est toi maintenant qui dois les protéger. En les enseignant. En enseignant ce que j'ai enseigné là. Mais pourquoi les gars me suivent comme ça? L'arrêté de l'arrêté. Amen. Asseyez-vous, montrez quelque chose. Asseyez-vous. Il n'y a pas l'arrêté de l'arrêté ici. C'est fini. Voilà. Quand j'ai constaté que dans l'église, asseyez-vous, les gens commençaient à être bizarres. J'ai pris ça là. J'ai photocopié au moins 50. Et j'ai partagé à tous mes enfants de l'église. J'ai dit, lisez. C'est dans ça ma foi, lu. Et ils sont arrivés une partie où ils ont dit, ta loyauté va te coûter tes amitiés. Tu dois choisir. Mais en choisissant, tu prends l'autorité. C'est dans ça les venus me dire. Qui était Absalom, Lucifer, dans mon église. La personne me voulait la détourner. Détourner son mari. Détourner par ses dieux. Détourner par ses frères. Détourner Madame Ako. Tu avais une loupe d'église qu'elle allait découler. Mais comme j'ai partagé, et ça les a protégés, ils avaient besoin d'enseignement. Oh yes! Si tu ne les enseignes pas, ta cellule est foutue. Bientôt, tu vas venir dans la cellule.
Le responsable de la cellule, celui qui t'accueillait à la maison, là, avant, il nettoyait le coin. Il mettait même biscuits. Il mettait de l'eau. Tu vas venir maintenant, là, il est dans la chambre. Rien n'a arrangé. Ça a commencé comme ça. Tu remarques qu'avant, il t'accueillait, mais ça a changé. Quelqu'un est passé par là. Parce que tu ne l'as pas enseigné. Il a besoin d'enseignement. Même s'il te donne biscuit, il a besoin d'enseignement. Il te donne sa maison. Il a besoin d'enseignement. Il gagne les âmes. Il a besoin d'enseignement. Même s'il dit que tu es le meilleur, il a besoin d'enseignement. Ne vous laissez pas endormir par les paroles. Va dire, papa, tu es le meilleur. Moi, je ne quitte plus une église, tu es le dernier. Il y a un qui m'a dit ça. 6 mois plus tard, il est quitté sans me dire bonjour. Il ne faut pas les écouter. Hein? Quand ils disent, maman, tu prêches bien. Il n'y a pas, merci, que Dieu soit béni. Mais dans ton cœur, il a besoin d'enseignement. Tu le fais assortir, mon frère. Mon fils, il faut t'asseoir. Oh Dieu, enseigner la loyauté. Point 1. L'esprit d'indépendance. C'est pour qui le livre là? Oh yes! Si tu ne les enseignes pas, ton bras là, un bon matin te lève, il est quitté. Va attaquer l'autre, lui aussi, il est quitté. Après lui aussi, il s'en va. Après lui aussi, il s'en va. C'est pas écrit quand il est fini comme ça. Et tu es déprimé maintenant. Tu as dit, Seigneur Satan. Un jour, il y a un frère qui est parti gêner. Il dit, il a gêné 3 fois 40 jours à sec. Parce que son église se casse seulement. Son église ne fait que se casser. Les déloyaux détruisent son église. Donc il a gêné, mais malgré qu'il a gêné, l'église ne grandit pas. Ça grandit, ça se casse. Ce n'est pas gêne qui est la solution. Il a besoin d'enseignement. Va dire à toi, personne, la solution, ce n'est pas le jeûne. C'est l'enseignement. Va dire à quelqu'un, va dire à toi, personne, ce n'est pas le jeûne. Va le dire, c'est l'enseignement. C'est bon, c'est bon. Oh, il n'avait pas encore donné le nom. Il a dit, il n'y a pas les exemples. Non? Premier exemple, Lucifer. Apocalypse 12, verset 9. Mais, on voit comment Lucifer a fini. Tous les déloyaux finissent mal. Tous les déloyaux. Il n'y a pas un qui a bien fini. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Ministère, il y a son en bas. Hein? Regardez, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. Il fut chassé. Voici la fin de Satan. Lucifer, qui était déloyal, a fini par perdre sa place. Il était un chérubin protecteur. C'est là qu'ils l'ont appelé maintenant Satan. Il est devenu, il est passé de Lucifer, qu'on appelle chérubin protecteur, à Satan. Et l'enfer l'attend. Voilà comment, quand tu es déloyal, parce que c'est ce qui t'arrive. Quelle que soit la place que tu vas la perdre. Utilise-le ou perds-le. Sois loyal ou tu perdras ta place. Deuxième, Absalom. 2 Samuel 18, verset 15. 2 Samuel 18, verset 15. Tu as vu déjà que ça a commencé à te faire du bien, non? Ils sont en train de montrer la fin de tous ceux qui sont déloyaux. Regarde, ils ne finissent pas bien. 2 Samuel 18, 15. 10 jeunes gens, suivez-ci. Qui portait les armes de Joab, entourait Absalom, le frappait et le fit mourir.
Absalom est mort. Les déloyaux, là, souvent, c'est comme si tu as gagné la bataille. Il a chassé son papa du trône. Son papa a fait un semblant de victoire. Et maintenant, Dieu s'est retourné contre lui. Yeah, c'est un semblant de victoire. Aujourd'hui, tu peux faire, c'est comme si tu as affaibli ton pasteur. Mais la conséquence arrive. Soyez devant. Oh yes, la conséquence arrive. Tu ne peux jamais faire tomber une église. Quel que soit ton comportement. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu peux nous ralentir un peu, mais tu ne peux pas nous fermer. Mais tu vas mourir dans cette affaire-là. C'est une affaire de temps. Yeah? Donc, frapper les morts. Quelqu'un qui a pu chasser son papa David du trône, attaquer son papa, récupérer son trône. Les gens qui sont déloyaux, là, c'est les gens qui veulent la place du pasteur. Tu veux les avantages du pasteur. Il y en a même qui veulent la femme du pasteur. Et voici Absalom. Absalom a couché les femmes de son papa. Tu sais, quand la Bible dit quelque chose, il faut croire. Hein? Tu joues, you are joking. Hein? Quand Satan rentre dans les gens, il te voit en son way. Hein? Toi, le pasteur de l'église, oui, le pasteur femme de l'église, il te voit en son way. Hein? Où ils sont là, quand tu t'habilles comme ça, regarde tes habits, elle veut tes habits. Elle pense que c'est les membres qui te donnent les habits là. Elle veut ta place. Satan n'est pas bon, hein? Veux ta place. Si tu es sûr que tu veux la place de ton pasteur, tu as un problème, hein? Tu n'as pas voulu à sa place. Laisse-le à sa place. Il faut être content qu'il soit élevé, que toi tu t'abaisses. On doit parler bien de lui et mal parler de toi. Et souvent, quand tu es loyal là, quand on commence à mal parler de ton pasteur, tu te fâches. Ou bien souvent, tu couvres la personne, tu dis non, hein, c'est pas papa, hein, mais c'est pas maman, hein, c'est moi qui ai pris cette décision. On va te voir, toi, le mauvais. Et puis on va ton papa le bon. Mais toi, quand on parle mal de ton papa, tu dis, ah, il t'a fait ça aussi. Et puis tu dis à la personne, ah, ce n'est que le commencement, hein. Attrape la ceinture. C'est comme ça qu'on parle. Donc, attrape la ceinture. Tu viens d'arriver, ah, attrape la ceinture, hein. Mais tu sais, c'est une femme, elle nous aime bien. Mais attrape la ceinture, elle est un peu dure, mais attrape la ceinture, hein. C'est comme ça qu'on parle. Déjà, ce que tu as dit là, tu viens de s'aimer quelque chose en elle. À quoi attrape la ceinture. Tu dois la reprendre. Vous dites, non, ne fais pas ça. Et puis tu lui donnes des versets bibliques à la pluie. Vous dites, tu as vu ça là, ça va te conduire à la mort, ça te conduire à la mort, ne fais pas ça. Il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Yes. Comment un homme de Dieu va être parfait? Amen. Mais il faut être loyal. Celui qui n'est pas fidèle pour quelqu'un, qui va lui donner pour lui? Quand il te confie un département, puis tu négliges, c'est ta fin qui est là. En fait, hein, mon département qui t'a confié là, c'est en fait le marchepied sur lequel tu dois t'appuyer pour passer au prochain niveau de ta vie. Ne vois pas ça comme si tu étais fatigué. C'est comme le test que Dieu a mis devant toi pour passer au prochain niveau de ta vie. Et la réussite va dépendre de comment tu seras loyal en ce qu'il t'a dit de faire. Je t'ai envoyé dans une église. Va gérer une église. Tu fais ça en bizarre. C'est toi qui vas prendre les conséquences. C'est pas moi. Celui qui n'est pas fidèle dans le travail de quelqu'un, qui va lui donner pour lui? Même Satan ne pourra pas te donner pour toi. Tes prophéties seront suspendues. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas loyaux dans le travail de quelqu'un d'autre. Avant que Israël parte à Canaan, Dieu les a envoyés en Égypte pour travailler pour voir s'ils sont loyaux. Avant que Joseph devienne premier ministre, malgré la prophétie, Dieu l'a envoyé sur Potiphar. Il devait être loyal. Avant que Jésus-Christ s'assied à la droite du Père, Dieu l'a envoyé sur Joseph pour qu'il se soumette à Joseph, qu'il soit loyal. Si tu n'es pas loyal sur quelqu'un, il faut oublier la prophétie. C'est pourquoi on vous enseigne ça. Ah, au contraire, on veut que vous réussissiez, c'est pourquoi on vous enseigne ça. Oh yes! Donc quand ton pasteur te confie quelque chose là, fais ça comme si c'était pour toi. Mets ton argent dedans. Mets ton énergie dedans. Sacrifie-toi. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Maintenant, quand on leur confie, ils disent, ça c'est pour lui. J'ai gardé mes forces. Le jour où papa m'envoie sur ma mission, et là-bas, je vais montrer ma puissance. Tu ne seras jamais envoyé sur une mission. Et même si tu es envoyé, tu as tapé poteau. Parce que le test d'avant, tu as échoué. Quand j'étais au buisson Adam, j'ai tous mes enfants qui étaient dehors, qui me payaient dîmes, j'ai tout fait pour qu'ils, les gars ne voulaient pas venir. Et je disais à mes enfants, paye dîmes.
Et Dieu me regardait. C'est quel enfant qui est là-bas? Je venais les samedis à l'église. Je prie de 22h à 6h du matin. Il n'y a pas un sujet pour moi dedans. C'est qu'on voit les âmes. On voit les membres. Où est papa? Qu'on appelle? Inspire-le. Que l'église aille bien. Ah! Quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Dans l'église où tu, de ton père spirituel ou bien de ton pasteur? C'est pas ton église? C'est pas toi qui fais les points? Donc, le matin, quand tu te lèves, gaillardement, tu n'as pas honte. Pour un vieux ministre berger, une vieille ministre bergère, de venir les bras ballants un dimanche. Tu ne peux pas venir avec un membre. Tu ne peux pas inviter quelqu'un. Et quand tu viens, t'asseoir, c'est toi qui te plaît. Qui fait chaud. On dit. Regarde ton comportement. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est autrui, qui va lui donner pour lui? Même le verset là. Ah, tu n'as pas mon message là? J'étais le deuxième payeur de dîmes de l'église. Vous dites quoi? Je ne payais pas 10%, je payais souvent 40%. On me payait combien? Souvent 30 000. 40%. Le pasteur m'a appelé, tu es le deuxième payeur de dîmes dans cette grande église. Tu fais comment? Il dit, mon papa, c'est la grâce de Dieu. Je soutenais l'église avec mon argent. Comment Dieu ne va pas me bénir? Tu es là, tu peux bien soutenir l'église là. Hein? Mais tu es là, tu attends. Dieu te regarde. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est une loi divine. On ne te donne jamais ce qui est à toi si tu n'es pas trouvé fidèle dans le travail de quelqu'un d'autre. Hey! Tu vois maintenant pourquoi depuis ta prophétie, t'as non? Oh yes. Tu es dans un test. Mais ça dépend de toi. Tu sais qu'un enfant... Il ne veut pas étudier puis le CP1 là. On le regarde. Il peut avoir 15 ans au CP1. Ses amis vont avancer pour le laisser. Ou bien, ça dépend de toi. On t'a mis d'un test, si tu veux faire jouer. C'est toi qui as juré là-bas. Dieu reste Dieu. Amen. Lève-moi ma prédication, lève-moi ma prédication. On dit de balayer l'église, tu balais sans assa. On dit de compter l'argent, tu comptes comme tu veux. On dit de gérer une cellule, tu gères. Le jour où tu es content, tu gères. Le jour où tu n'es pas content, tu ne gères pas. On dit que tu es chef d'évangélisation. Le jour où il pleut, tu n'évangélises pas. Ah, le jour où il pleut, tu vas au travail. Tu prends un parapluie pour aller au travail. Mais quand il pleut, tu dors. Moi, tu dis, il pleut haut. Dieu te regarde. Cette loi-là, je vais vous dire quelque chose. C'est là que tu vois que c'est Dieu qui bénit. Si ça dépendait que moi, j'allais vous bénir. J'allais vous donner tout ce que vous voulez. Parce que l'homme est comme ça. Moi, je veux que vous soyez à l'aise. Mais comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Il regarde, est-ce que cette loi-là est accomplie dans la vie de la fidèle, de Maïmouna? Quand tu commences à prier, Seigneur, Seigneur, c'est le temps. On dit c'est qui ça? On dit Maïmouna. Elle est dans quelle église? Miab. Miab où? Miab Benjerville. Allez à la Miab Benjerville. Voyez quel poste elle occupe. Voyez si elle est loyale. Et ils arrivent là-bas, on voit que. On dit, fait qu'on dit, elle est responsable de balayer. Alors Dieu envoie un ange qui va s'arrêter au-dessus de l'église. Il n'est pas là pour bénir quelqu'un. Il est là pour regarder ton balayage. Si au moins un mois. Il connaît les heures du culte. Il voit que mardi, le temps est sale. Il écrit, mardi, temps sale. Jeudi, temps est sale encore. Il dit, jeudi, temps sale. Vendredi, dimanche, tu viens en retard et tu balais ça vite, vite. Il dit, dimanche, elle vient, mais elle balaie ça vite, vite. Mal balayé. Et maintenant, quand il a fini son repas, il monte au ciel. Il dit, père, tu m'as envoyé quelque part. Voici le rapport de Maïmouna. On dit, non, elle n'est pas loyale. Elle n'a qu'à attendre encore. C'est pour ça que tu es bloqué. Si tu vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
grâce. Achitophel. Achitophel, 2 Samuel 17, verset 23. Achitophel. 2 Samuel quoi? 10, verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'étant pas suivi, cela son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Il s'est suicidé parce qu'il a été déloyal envers David. Yes. Quand tu es déloyal, toi-même, tu poses des actions qui te font tomber. Dieu t'amène à faire des erreurs. Souvent, Dieu t'amène à croire aux mensonges. Un jour, j'ai même prêché ça avant. Un jour, il y a un pasteur, il y a un roi qui partait en guerre, mais qui n'aimait pas Dieu, qui était déloyal. Il dit sans consulter un prophète. Et Dieu a dit, qui va être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour mentir au roi? Et puis il y a un esprit qui a dit, moi, j'irai. Et je dirai au prophète de lui dire que la bataille sera favorable. Or, elle ne sera pas favorable. Tu as vu, non? Et l'esprit est descendu sur le prophète. Le prophète était sincère, mais ce qu'il voyait, c'était du faux. Il voyait vraiment, mais c'était du faux. C'est comme ça, quand tu n'es pas suivi un bon pasteur, Dieu t'envoie chez un prophète et puis il donne un mensonge au prophète te concernant. Et tu crois à un mensonge. Et tu fais que ta vie se gâte. Parce que tu n'écoutes pas quand on te parle. Fais attention. Et le prophète est venu, puis l'homme a dit, ainsi parle l'Éternel, la bataille sera favorable. Va mon serviteur. Quand ils sont arrivés là-bas, on les a tués. Ils ont tué le roi en question. Parce que Dieu a été un mensonge dans la bouche du prophète. Faites attention, quand vous n'êtes pas loyaux là. Hein? Si tu n'as pas été fidèle dans le travail de ce qui est à quelqu'un, qui va te donner ce qui est à toi? Yeah. C'est pour ça, chaque fois qu'on te confie quelque chose, il faut bien faire ça. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu viens montrer que tu es déloyal. Shimei, un roi 2,46, lui aussi va mourir. Shimei, un roi 2,46, il reste deux personnes, on finit, puis on a fini. Mais vite, hier j'ai cité le nom. Parce que quand elle est venue, elle a commencé maintenant déloyauté. Étape d'indépendance. C'est ça qu'elle a commencé maintenant. Comment on devient déloyal? Comment éviter la déloyauté? Quand tu as vu ça dans ta vie, tu dois dire, il faut que je change. Parce que ça me conduit à ça. Bien. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Joajada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. Shimei aussi s'est levé contre David. Voilà comment Dieu l'a frappé. Si tu veux être béni par un roi, au lieu de dire un roi, il faut dire un pasteur, deux pasteurs. C'est-à-dire que chaque roi est un pasteur. Donc, Shimei s'est levé contre son pasteur David. Et il a été frappé de mort. Bien. Plein de gens se tuent parce qu'ils se lèvent contre les pasteurs. Ils le combattent, ils murmurent, ils sont contre lui. Souvent, ils font des réunions contre lui. Ils ne sont pas d'accord avec sa manière de voir les choses. Ils les agèrent d'après eux. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Il y a un qui a osé dire à ses fidèles que maintenant, à son ami que maintenant, son pasteur n'est plus utilisé par Dieu. Que d'ailleurs, il ne lit plus la Bible. Que maintenant, il lit qu'on appelle Harlequin. Que lui, mais il est parti chez lui, il a vu lire Harlequin. Que maintenant, il y a film, Netflix. Tu as vu, quand tu donnes l'opportunité à quelqu'un d'aller chez toi, non? Tout le monde n'a pas les yeux pour être proche. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, si ils rapprochent de toi, ils vont se détruire eux-mêmes. Parce qu'au lieu de voir ton bien, ton bon côté, leurs yeux, à cause de leur cœur qui est mauvais, va aller vers tes défauts. Bien. Mais vous pensez que quoi? Que même les présidents, là, ceux qui sont autour de toi, voient leurs défauts? On ne parle pas de ça. Il y a un comportement quand tu es auprès d'un pasteur ou bien d'un leader, là, il y a un comportement. Tes yeux ne doivent pas. Tu vois, mais tu ne vois pas.
Yeah. Sinon, tu peux mourir cadeau. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être autour de moi. J'ai dit à secret, j'ai parlé à mes filles qui sont à la maison, je leur ai dit, si j'entends un truc concernant la maison d'Eo, vous avez affaire à moi. Je n'aime pas ça du tout. Fermez vos yeux. Je suis un pasteur, je suis chez moi. Si je ne suis pas en culotte chez moi, d'être en culotte, où ça? Si elle ne peut pas renfler chez moi, de renfler où? Si elle ne peut pas baver chez moi, de baver où? Et tu as pris ça pour dire, il bave. Mais il bave que? Mais il bave où? Il bave chez lui. Toi, quand tu es chez toi là, tu t'habilles en Sécamania. C'est pas vous arriver à la maison, tu enlèves chez Périta et puis tu lances ça là-bas. La maison est faite pour être à l'aise. Vrai ou faux? Donc, quand quelqu'un est proche de moi, il te dit, quand tu vas venir, tu vas voir des choses. Elle peut même venir trouver une discussion avec mon pasteur. Elle n'a pas peur de s'asseoir et puis écouter ça. Elle doit se retirer. C'est comme ça auprès de, tu peux grandir auprès d'un homme de Dieu. Ou bien grandir. Sinon, tu vas mourir cadeau. Parce que tu as dit quelque chose. Tu vas gâter ta vie. Méfie-toi quand tu es auprès d'un homme de Dieu. Ou bien de ton pasteur. C'est pas parce que ton pasteur t'a mis dans son intimité que tu as commencé à dire du n'importe quoi. Il y en a parce que vous êtes devenu familier à votre pasteur. La familiarité. Parce que vous voyez toujours. Soit tu travailles pour elle, soit avec elle. Je ne sais pas quoi. Et tu as commencé à parler contre elle. Tu sais que si tu es en train de faire, tu es en train de gâter ta propre vie. On ne parle pas sur tout. On ne voit pas tout. Yes. Tu vois, mais tu ne vois pas. C'est tout. Tu vois, mais tu ne vois pas. C'est fini. Oh yes. J'espère qu'il est béni quelqu'un ce soir. Pourquoi il va m'arrêter là? Judas, vous connaissez Judas, non? Il est mort. Judas, il est mort. Judas, qui a trahi Jésus, il est mort. Il a eu ses 30 pièces. Et puis quoi? Quand on était au Ghana, papa a dit, Rian, tu as eu les 30 pièces, mais après tu as eu quoi? Il y a à quel prix tu as eu les 30 pièces? C'est ça qu'il a dit. Il dit, à quel prix? Dites-moi, ceux qui ont quitté l'église aujourd'hui, là, c'est à quel prix? Il y en a qui ne vont plus à l'église. Si, ils sont pleins, eux tous ne vont plus à l'église. Ils sont à la maison, ils ont rétrogradé. Hein? Il y en a qui sont en train de boire. À quel prix? À quel prix? Tu ne vas pas t'humilier. Ça, d'accord, je suis quitté, d'accord. Mais ce n'est pas ça qui est important. À quel prix? Oui, Judas, tu as eu tes 30 pièces, mais à quel prix? Tu n'as pas été suicidé? Si tu te calmais là, ce n'est pas l'argent. C'est ça, les pierres là. On vendait des millions et puis on veut les donner. Oui, ce n'est pas 30 pièces. Des milliards on met à leurs pieds. C'est l'argent que tu voulais. Tu étais pressé. Ça vous attendait devant. Attends-moi toi. À quel prix? Tu es là. Oui, il a quitté le gars, il a quitté le gars. Mais à quel prix? Il faut te calmer. Hein? J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Mais je déclare que vous êtes loyaux au nom de Jésus. L'esprit de loyauté s'attache à toi au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu es loyal. Quand on cherchera les déloyaux, on ne va pas te trouver dedans au nom de Jésus. Dis à mes frères, reçois la grâce au nom de Jésus. Quelle que soit la nation de tout, on ne va pas te trouver parmi les déloyaux au nom de Jésus Nazareth. Dis Seigneur, aide-moi à être loyal envers papa, envers mon pasteur, envers mon église Miaf. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Il y a une comme ça. Ma fille, elle disait que moi, je ne sais pas faire l'œuvre de Dieu. Qu'elle est foyer que moi. Elle foyer que moi. Dieu l'utilisait que moi. Elle a quitté l'église, son groupe. Demain, on l'a vu. Et puis elle dit au gars que elle, Dieu ne l'a pas appelé à créer l'église. Mais Dieu ne t'a pas appelé à créer l'église. Pourquoi tu bavates si quelqu'un qui gère l'église? Là où les femmes sont en train d'accoucher, un garçon va les dire quoi? Mais remarquez un peu, quand une femme s'est accouchée, tu as vu quel garçon là-bas? C'est en Europe, on appelle le garçon, il est à côté. Sinon, en Afrique ici, c'est que des femmes. Le garçon, il est ailleurs. Parce que là, c'est l'affaire des femmes. Il n'a pas entré aussi pour parler. Il ne connaît pas douleur. Tu n'as pas venu parler dans ça?
Tu n'as pas entrailles. Et tu regardes, tu bavades. Dieu ne t'a pas appelé à l'église. Pourquoi tu dis que tu es mieux que l'homme de Dieu? Tais-toi. Elle est là maintenant, elle va plus à l'église. Elle fait pitié. Elle fait quoi? Et ce qui fait mal, tous ceux qui l'ont suivi, ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Un jour, je l'ai vu, il y a une qui s'est mariée, ils ont publié. Ils ont dit, sur les païens, c'est mariage. C'est pas mariage. Sur les païens aussi, c'est mari. Quand tu as fini de te marier, là, qu'est-ce que ta vie va devenir? Je parle spirituellement. Et même si tu as l'argent, tu as devenu quoi au ciel? Tu as rétrogradé. Tu as perdu ta place. C'est pour ça, là, tu faisais tout ça, là. Tout ça pour ça. Mais quand les enseignes, ils ne veulent pas écouter. Cet enseignement-là, je lui ai donné ça à elle, mais elle refusait de venir s'asseoir pour écouter l'enseignement. Tu sais ce qu'elle disait aux gens? Que je voulais vous embobiner. Que le message, c'est mis ça pour embobiner les gens. Mais il dit, toi-même, là, si on ne t'embobine pas, est-ce que tu peux suivre quelqu'un? Non, non, attends, qu'attends-tu-nous? Dis-moi, si on ne t'a pas enseigné, là, les trucs sont ta tête, là, est-ce que ça peut quitter? Depuis, c'est les trucs bizarres qui sont dans ta tête, là, qui t'ont mis dans tous les problèmes, là. On doit enlever ça pour mettre ce qui est bien. Voici les gens qui ont dit j'ai embobiné. Ils sont allés, il y a quoi, ils grossissent. Il y a sa femme, elle a poutchou comme ça. Tu sens même qu'il sait faire du bien. Léger comme le vent. Les voici, ils sont allés, ils ont voyagé en avion cette année. Ils ont. Je sais que les gars n'ont même pas commenté même. Parce qu'il a dit, il faut prendre des photos. Ils ont vu. Ils ont pris photo. Et puis ils ont balancé sur leur face. Les gars n'ont pas commenté. Parce qu'ils lui ont dit, si eux, ils me suivent, ils ne vont rien devenir. Rien devenir. En tout cas, je suis. Parce que personne, ils m'ont dit, s'il me suit, il ne va rien devenir. Parce qu'aujourd'hui, il prend soin de sa maman. Il prend soin de sa famille. Ça va chez lui. En Guinée, il est dans une grosse villa. 4 pièces avec WC dans chaque chambre. C'est un boss en Guinée. Ou bien, en Guinée, c'est un boisson. Oh yes! Et ça ne fait que commencer. Hein. Ils ne vont jamais descendre. Bientôt, quand ils les prennent, c'est pas là en France. Ou bien à Dubaï, ou bien en Israël. Faut pas te décourager. Toi aussi, quand tu vois ceux qui sont devant toi, ceux qui sont en train de devenir, c'est ton avenir qui est là aussi. Toi aussi ça va aller chez toi. On dit tiens que toi aussi ça va aller, moi aussi ça va aller chez moi un jour. Vraiment. Oh yes. Mon fils qui est là, on décollait à 13h. C'est à 13h non? Oui, à 13h. Tu es arrivé à l'aéroport à quelle heure? On était là-bas à 6h. À 6h et j'étais à l'aéroport. Je leur ai dit, mais vous faites quoi 6h à l'aéroport? Il dit, papa, on ne sait jamais embouteillé, je suis là. Oh! Un fait d'avion! En Afrique, ici, là, quand on dit tu prends avion, c'est que tu as réussi. Tous les sorciers se lèvent maintenant. Donc, les gars disent, mon cher, à 6h, ils sont assis là-bas. Ils disent, vous faites quoi 6h? Il dit, papa, on sait jamais. On est là. On attend. Les gars sont venus, ils sont assis. Où on fait café. Mais pas café, mais consommant. Les gars croient que l'avion, c'est tout à l'heure. C'est pas tout à l'heure. C'est, les gars, consommant. Et ça, on leur dit, vous partez pas. On partit, on attend. L'heure n'est pas encore arrivée. Consommant. Et quand ils ont vu qu'il était. Il restait 30 minutes, j'arrivais pas. Et même, ils m'ont rappelé. Quand j'ai vu le coup de fil, les gars là, nouveau d'avion, c'est pas facile. Il y a des gosses qui disent, papa, tu es où ça? Il dit, je suis pas loin. Il dit, ah, ok. Il est pressé. Oh! Faut pas avion, on va partir, vous le laisser. Alléluia! Et quand ils sont montés dans l'avion, c'était comment? Décollage n'est pas facile, non? Décollage n'est pas facile. Quand ils ont commencé le décollage, ils vont sentir le décollage.
Vous voyez un avion comme ça, il y a une pression dans le décollage. Hein? C'est-à-dire, vous êtes penché comme ça, et dans ça, lui, il tourne. Vous êtes comme ça, et puis lui, il tourne. Vous voyez, tu entends là-bas, Amik, Menkane, il fait quoi comme ça? C'est fort. Moi, maintenant, je suis habitué. Mais eux, ils ne sont pas habitués, c'est pas facile. Non, décollage, c'est pas facile. Hein. Décollage seulement. C'est quelque chose. Moi, je préfère atterrissage que décollage. Décollage seulement, c'est fort. Et vous tournez en haut de la mer. C'est à quoi ça, je suis parti. Je commençais à apprendre à nager. Oh, oui, au moins, il y a nager. C'est pas facile. Au moins, il y a essayé de nager. C'est fort. Soyez béni. Qui a béni d'entendre tout ça? J'annonce que l'année prochaine, avant le prochain camp, tu vas prendre ton premier avion. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen fort. Hein? Il y a quelqu'un qui dit amen fort. Hein? Qui parle fort. Qui n'est jamais monté d'avion, lève la main. Reçois la grâce pour monter d'avion au nom de Jésus. Il dit, reçois la grâce pour monter d'avion au nom de Jésus. Et au moins, quand ils sont montés, j'étais là pour les monter. Comment on fait? Il dit, tirer ici. Ça, c'est pour la nourriture. Mais moi, quand je suis monté à mon tour, là, j'étais seul. Quand l'autre l'a tiré, moi aussi, il tire. Il remet, je remets. Il ne sait pas comment on fait, mon jeune. Il y a un qui m'a dit, mais tu es attentionné. Hein? Il a dit, oui, je suis très attentionné. Oh, oh, oh. Soyez bénis. I love you.